Bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai dîné à 16h, je suis rentrée chez moi, je me suis posée, j'ai mangé tout ça, tout ça. Là, il est 18h20, là, je me suis posée de ouf, genre pendant 2 heures. Et j'aimerais bien aller voir si je trouve des pépites, que ce soit sur Asos, peut-être Bershka, peut-être Pull&Bear. Je vous avoue, cette caméra-là, bon, 800 €, j'ai trop trop envie d'avoir cette caméra, genre vraiment la Sony ZV-1. En vrai, de vrai, j'ai l'impression que je vais vous en parler dans toutes les vidéos, mais bon, c'est tellement plus pratique d'avoir une caméra pour filmer. Moi, j'aimerais beaucoup avoir celle-ci, la Sony ZV-1. J'ai regardé plein de comparatifs avec plein de caméras, plein d'autres et tout. Et franchement, elle a l'air incroyable. 800 €, c'est franchement un peu le moins cher que tu peux trouver, je pense. Même si bah, c'est cher quand même, on va pas se le cacher. 800 € c'est conséquent. J'ai trop hâte d'en parler à mes parents. Il est 19h33 et depuis tout à l'heure, du coup, je joue. J'ai pas pu filmer, comme je vous l'ai dit, parce que donc j'ai eu l'appli sur mon tel. Donc voilà, je peux pas filmer en même temps. Je suis plutôt contente. Je pense que je vais rejouer ce soir, je verrai. Mais de toute façon, je peux pas vous filmer, donc c'est chiant. Là, je vais aller manger. Faut que je vous explique un truc. Donc en gros, tous les ans, nous, il y a un truc, c'est le carnaval au collège. Donc voilà, je sais pas si vous, ça existait ou pas. Et en gros, tous les ans, le CVC et la direction du collège donnent un thème. Et en gros, chaque classe doit se déguiser dans le thème global. Et après, dans le thème global, tu peux par exemple choisir de faire un thème précis avec ta classe. Ou alors chacun fait un peu ce qu'il veut dans le thème. Je sais pas si c'est précis. Bref, en gros, il y a un carnaval. Il n'y était plus à cause du Covid, mais cette année, ça recommence, en vrai, c'est hyper drôle. Et cette année, le thème global pour nous, c'est le cinéma, voilà, pour notre collège, du coup. Et donc aujourd'hui, on a parlé, on a discuté de ça, etc. On a eu une idée et tout, et moi, j'avais pas trop envie de me déguiser en truc particulier, parce que cinéma, c'est hyper vague. On s'est axé sur un truc et tout, mais moi, j'avais un peu la flemme de me déguiser, je t'avoue. Un pote, il avait aussi la flemme, et j'ai eu une idée de génie. En gros, on va faire un peu... genre les réalisateurs, les caméramans et tout. Normalement, genre il va se faire une fausse caméra. Comme ça, en gros, on va devoir défiler devant des juges. Et pendant qu'ils défileront, genre nous, on fera genre, on filme. On va imprimer des billets de cinéma. On va les distribuer. On va leur distribuer soit des vrais popcorn, soit des faux. On sait pas encore si on aura le droit aux vrais popcorn. Et demain, du coup, je vais commander tout ça. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. Bah moi, pour ma part, ça va. À part que il est midi. Que je n'ai rien fait ce matin, voilà. C'est bien de rien faire. Mon problème, c'est que je fais rien tous les week-ends. Ça commence à faire un peu beaucoup. Du coup, ce matin, je me suis réveillée. J'avais mis un réveil à 8h45, 8h50, je crois. Voilà, pour me réveiller tranquillement à 9h. Au final, j'ai lu. Chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Je suis pas fan de lecture. Je vous en ai parlé de toute façon dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. Du coup, j'ai lu pendant quasiment 1 heure ce matin et franchement, ça fait trop du bien. Ça réveille hyper bien. Contrairement, des fois le week-end, je me réveillais en regardant ma Switch et franchement, je me réveillais beaucoup moins bien. C'est bête à dire, mais j'ai passé 1 heure à lire et voilà, ça a reposé mon cerveau. J'ai lu ce livre-là pour tous ceux qui ont vu ma vidéo sur les cadeaux. J'ai mal au bras. Oh, ça fait super mal au bras. Après, je suis allée manger. Et après, j'ai été sur mon tel tout ce matin. Ce qui est cool, c'est que je crois que cette semaine, j'ai vraiment quasiment rien. Pour lundi, j'ai juste donc ce truc en espagnol. Et c'est tout. Pour mardi, j'ai qu'un truc en anglais, je crois. Et le reste de la semaine, je me souviens pas, mais je sais que j'ai pas grand-chose. Donc, je suis contente. Mais j'ai mon devoir de mémoire à faire. J'ai la flemme, je vous avoue. Aujourd'hui, du coup, j'espère que je vais pas rien faire de toute la journée. Soit je fais l'espagnol comme ça, je suis débarrassée. Soit je me mets à mon devoir de mémoire. Sachant qu'il faut que je le rende lundi et que ce serait bien que je le fasse correctement parce que je passerai dessus à l'oral au brevet. Il faut que j'achète les trucs dont je vous ai parlé hier pour le carnaval. Je pense que le clap, je vais le garder, je le mettrai dans ma chambre en déco, je trouve ça cher beau. Hier, je me suis tapé une déterre. J'en ai fait pendant une demi-heure hier soir et après j'en ai refait minimum 15 minutes. Donc en tout, ça m'a fait un bon 45 minutes minimum de piano, donc c'est cool. Il faudrait que j'en fasse aussi aujourd'hui. J'aimerais bien aller dehors. Que ce soit me balader là où j'habite ou faire du basket. Bref, profiter du soleil parce qu'il fait beau aujourd'hui. C'est trop bien, j'aime trop le printemps. Ce soir, par contre, on va au cinéma. Je suis trop contente, je suis trop pile, j'ai oublié de vous le dire. Mais moi, j'avais oublié en fait. Mais on va au cinéma, je suis trop contente. Et avant, je crois qu'on va aller manger au Nikkadi. Je vous mettrai le nom du film ici. Voilà l'outfit of the day. C'est Diogo. Je sais plus d'où il vient. Il vient de chez Jennifer, je crois. Et ça,
petit top chain. Vous l'aurez sûrement deviné, j'ai des poux. Muni de mon meilleur sac plastique, de ma meilleure serviette. Bah, du coup, je vais tout nettoyer, quoi. Du coup, ça va me prendre une bonne partie de mon après-midi. Sachant qu'il est 14h30, que bon, je dois refaire tout ça. Plus aller me laver les cheveux après. Il est 3h25. Je viens juste de finir. Du coup, je vais travailler puisqu'il faudrait que je m'y mette. J'étais motivée et tout, et là, ça m'a tout coupé. Genre, vraiment, c'est trop chiant. Je pense que je vais faire l'espagnol et mon devoir de mémoire. Il est 16h25. Je trouve que j'ai pas trop avancé. J'ai un peu regardé mon tel et tout. J'arrive pas à me motiver, donc bon, c'est un peu chiant. Du coup, là, vu qu'il est 16h30, je pense que je vais faire une petite pause, que je vais sûrement goûter. Genre que, ouais, du coup, on va manger assez tôt vu que la séance et à 20h et qu'on aimerait manger avant. Donc du coup on va manger tôt vers 19h je pense. Donc je pense que je vais goûter maintenant. Ensuite j'irai dehors. Et ensuite je reviendrai faire du piano je pense. Et après je me préparerai. Niveau outfit, on est sur ce t-shirt non comme ça. Voilà ce jean là qui est comme ça. Et voilà, je pense que je vais juste pas rajouter mon manteau par-dessus. Et rien d'autre de particulier. Lui, il vient de chez Bershka. Et le jean, il vient de chez Shane. Allez, on va goûter. Donc voilà, juste pour que vous voyez, j'ai fait ça. Il est 17h30. Je me suis maquillée. On est toujours sur la même, du coup. Et le manteau dont je vous parlais, c'est celui-ci qui vient de chez Bershka. Quand il est mis, ça donne ça. Et je sais pas, en fait. Je sais pas si ça va. Je crois que c'est le t-shirt qui me fait bugger. C'est horrible, je vais demander à ma mère. Sinon au niveau des sacs, j'en ai trois. J'en ai un marron comme ça. Normalement c'est plus long mais je l'ai raccourci. Ça n'ira pas du tout avec ma tenue je pense. J'ai celui-ci en noir. Et j'ai celui-ci qui se porte à la main. Du coup là je vais demander à ma mère si le manteau c'est beau ou pas. Et selon ça je verrai quel sac je prends. Ça faisait vraiment pas beau. Du coup j'ai essayé avec un t-shirt noir. C'est mieux, mais le violet, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Du coup, je vais essayer ce t-shirt là. C'est mon dernier recours. Je vais garder celui-ci. En vrai, ça va, mais c'est juste que les couleurs là, genre c'est pas les mêmes. C'est pas le même orange, il est plus flashy que sur mon manteau. Du coup, ça me perturbe. Oui, maintenant, incroyable. J'ai adoré le film, vraiment. Franchement, n'hésitez pas à aller le voir. Sinon, vu que j'ai plus de draps, je vais dormir dans un sac de couchage. Voilà pour ce soir. Hello le vlog! Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va. Franchement, j'ai bien dormi. Même si j'étais dans un sac de couchage. Franchement, je sais pas vous, mais j'aime trop dormir dans un sac de couchage. Aujourd'hui, nouvelle journée. Il fait encore super beau, donc je suis trop contente. Là, il est 10h30. Ce matin, j'ai regardé sur Pronote. J'ai une chère bonne note à mon rapport de stage, donc je suis grave contente. Mon devoir de mémoire, donc je dois le rendre demain. Sauf que on a plus de cartouches d'imprimante. Du coup, je peux pas imprimer. Du coup, j'ai envoyé un message à ma prof et on verra bien. Il faudrait juste que je le finisse. Ce matin, ça va être full travailler. Il est 12h30. Du coup j'ai bien travaillé jusqu'à genre 11h30. Et là jusqu'à maintenant je suis traînée sur mon tel parce que j'avais vraiment la flemme. Donc voilà, si jamais pour vous montrer ma partie 2, elle fait tout ça. En vrai j'ai plutôt pas mal avancé. Pour la tenue du jour, c'est simple. Loading, stop en haut. Voilà. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say. Bon voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. C'était très brouillon, je suis désolée. Dites-moi si vous préférez vraiment ce genre de vlog où c'est très brouillon.
ou des vlogs un peu plus travaillés où je filme plus correctement toute la journée, etc. C'est la fin de ces 3 jours. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous liker la vidéo et à vous abonner, ça me soutient de ouf, ça me fait trop plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et bisous!